Tout le monde a entendu parler des peintures de la chapelle Sixtine au Vatican, chef d'œuvre majeure de la Renaissance italienne. Et les experts appellent chapelle Sixtine de la préhistoire les peintures trouvées au plafond de la grotte des Altamira dans la Cantabrie en Espagne, pas loin de la ville de Santillana del Mar. Ces dessins ont été découverts en 1879, après plusieurs années de les visiter, par Don Marcelino Sainz de Sautuola, avocat de profession. En fait, c'est sa fille Maria, qui n'avait que 8 ans à ce moment, qui, en s'éloignant de son père, qui cherchait dans le sol des restes humains préhistoriques, a vu de bœufs sur les toits. Marcelino, d'un œil averti, a immédiatement reconnu des lissons dans les dessins. Monsieur Sainz de Sautuola a eu de nombreuses difficultés à se faire croire. Les experts en préhistoire et en archéologie de l'époque considéraient que l'ère découverte était un pur canular et que les dessins étaient des faux. En vain, Don Marcelino a publié des publications et des experts sont venus visiter la grotte des Altamira. Le verdict des experts était sans équivoque. Les peintures sont des faux. Dans ces années de la fin du XIXe siècle, non seulement dans le nord de l'Espagne, mais dans des autres pays européens, en particulier en France, des peintures de la même nature ont été découvertes. Cela a attiré l'attention de ces spécialistes. Monsieur de Sautuola était déjà décédé lorsque le français Émile Cartignac, spécialiste de la préhistoire, a reconnu l'authenticité des dessins de la grotte des Altamira et du travail de Don Marcelino. En 1902, il publie un article dans la presse spécialisée intitulé « La grotte des Altamira, mais à culpa d'un sceptique ». Des études ont montré que ces peintures ont entre 13 et 18 000 ans. Les lissons des grottes d'Altamira ont un naturalisme exceptionnel, car le peintre préhistorique qui les a réalisés a utilisé des protubérances propres de la grotte pour donner à ces animaux une certaine vie et volume. Il a également obtenu cet effet avec des différences de couleurs allant du rouge au noir, du jaune au marron. Mais il n'y a pas que des peintures de bisons. Ils sont accompagnés de chevaux, de cerfs et de sangliers. Sous différentes couches de la terre, des archéologues ont trouvé des œuvres que les anciens fabriquaient avec des os des animaux et des pierres, tels que des couteaux en silice ou des pointes pour leurs lances. Ils ont également trouvé des flûtes rudimentaires et des autres instruments qui, lorsqu'ils sont en contact avec l'air, produisent des sons. L'homme, depuis toujours, aime l'art, la peinture, il aime aussi la musique. Tout au long du XXe siècle, et en particulier dans les années 60 et 70, la grotte d'Altamira a accueilli un grand nombre de visiteurs attirés par la beauté du lieu. Et quand je dis beauté, je ne parle pas seulement de peinture elle-même, mais de la belle campagne de la Cantabrie et de l'endroit où se trouve cette attraction touristique. Tant de visiteurs ont modifié le climat à l'intérieur de la grotte, mettant en danger sa conservation. En 1977, la décision fut prise de la fermer au public et 5 ans plus tard, ils furent réouvertes, n'autorisant la visite qu'à 8000 visiteurs par an. En 2002, elles ont été complètement fermées car des micro-organismes ont été détectés dans la roche. Compte tenu du grand nombre de personnes souhaitant continuer à admirer la grotte et ses œuvres, en 2001,
le Musée national et centre de recherche de Altamira a été ouvert à quelques mètres de l'entrée de la grotte. Là, ils ont été réalisés avec beaucoup de minutie et de respect, des reproductions exactes des sons de plus d'intérêt de la grotte naturelle, à savoir la grande entrée qui pendant des millénaires a servi de refuge à nos ancêtres et l'espace où se trouvent les peintures. C'est ce qu'on appelle la néo-grotta. Non seulement à Altamira peut-on admirer des grottes artificielles, mais avec des répliques des dessins préhistoriques. Il existe également des autres reproductions au Musée d'archéologie nationale d'Espagne à Madrid et au Deutsche Museum à Munich. La promenade dans la néo-grotte consiste à visiter les salles d'exposition où l'on peut voir les œuvres de l'homme préhistorique en os et en pierre, des reproductions picturales de la vie des hommes de ce temps lointain et des vidéos pédagogiques très intéressantes sur le sujet. Ensuite, vous vous rendez à la néo-grotte elle-même. La visite se termine par un beau sentier bordé d'arbres qui vous mènera aux environs de la grotte originale, visible à près de 100 mètres. Depuis 2014, une nouvelle façon de visiter la grotte a été lancée. Chaque vendredi matin, les visiteurs se voient offrir un tirage au sort. Chacun laisse son nom et remplit un formulaire à travers duquel sont sélectionnées les personnes ayant une excellente condition physique. À 9h30, 5 noms sont retirés au sort et ces 5 personnes sont les chanceuses qui, pendant exactement 37 minutes, peuvent descendre 20 mètres dans un escalier usé et de visiter la grotte originale dans le respect d'un protocole de sécurité très strict. Si vous avez la possibilité de visiter les belles et vertes terres de la Cantabrie, assurez-vous de goûter un bon ragoût montagnard que vous pourriez acheter dans n'importe quel restaurant de cette bénite terre d'Espagne. Il faut aussi visiter la ville de Santillana del Mar, qui fut l'endroit choisi pour le roman français « Les aventures de Gil de Blas ». En plus, Santillana, comme disent les gens qui y habitent, n'est ni sente, ni plane, ni est près de la mer. C'est ainsi que j'ai fini mon émission d'aujourd'hui. Vous pouvez vous souscrire. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le dire aussi à vos amis. Je vous remercie profondément pour le temps que vous me dédiez et je vous dis comme d'habitude, à la prochaine !